Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine du début mai au jusqu'à l'autre près, la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors oui, je sais ce que vous dites, la semaine a déjà commencé puisque la vidéo aurait dû normalement paraître dimanche, hier. Et puis comme vous le savez, je voulais communiquer sur Instagram, sur Facebook, tout ça, que je me prenais 2-3 petits jours de congé. J'en avais besoin, vraiment besoin, parce que ça commençait à tirer là après tout ce mois d'avril qui fut sur les chapeaux de roue. Honnêtement, c'était important pour moi de me prendre 2-3 jours et vraiment de rien faire, juste me détendre, juste profiter. Et au final, j'ai rien profité du tout. Je ne me suis pas du tout détendu puisque j'ai fait plein d'autres trucs en fait à côté. J'ai aussi des annonces et des bonnes nouvelles à vous partager. Et puis voilà. Donc oui, pour cette semaine, je ne suis plus accompagné de mon acolyte, de mon acolyte, puisque ben comme on l'avait dit, hein, ça durerait que pour le mois d'avril et qu'à partir de mai, on reprendrait un rythme un petit peu normal. Et je dis bien vraiment un petit peu normal et avec des très grosses guillemets parce que avant de commencer le tirage, je me dois impérativement de vous partager une annonce que je viens de recevoir. Je ne voulais rien dire tant qu'il y avait rien de sûr, tant qu'il n'y avait rien d'officiel. Et puis comme là j'ai eu des réponses qui sont tombées dans la journée, fait exprès, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous les partager. Alors, je vous ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu du planning de la chaîne à venir. Alors j'ai peur que ce planning, il évolue avec le temps. Il évolue parce que ben, y a d'autres choses qui sont venues se greffer et par conséquent, je pourrais peut-être pas respecter le planning que je vous ai dit. Donc on verra, il y aura peut-être un nouveau planning, il va falloir que je jongle, hein, très, très concrètement. Là, je pense que ça va être du sport, ce qui m'attend pour les prochaines semaines, vers les mois et même les années à venir, je l'espère en tout cas, on verra. Mais ça va être du sport. Bon, ça tombe bien, moi qui voulais perdre mon bidou, ben je pense que je devrais le perdre assez facilement. Alors, je vous explique. Il y a pas si longtemps, en fait, il y a 2-3 jours, je suis tombé sur une annonce. Alors, vraiment par hasard, hein, l'annonce vraiment toute bête, d'un restaurant qui se situe, écoutez bien le délire, qui doit se situer à 100 mètres de chez moi à peu près. Et c'est un truc à laquelle, enfin c'est un truc sur lequel je ne fais jamais, que je ne vais jamais en plus, puisque j'ai trouvé cette offre d'emploi par le biais de Facebook. Vous savez, sur Facebook, il y a un onglet recherche d'emploi. Et c'est vrai que jamais j'ai consulté l'onglet Facebook. Et puis là, je sais pas, je suis tombé par hasard dessus. Donc j'y vais, et puis là, par curiosité, je tape, donc du coup, dans un périmètre, mais alors vraiment sans aucune conviction, hein, j'ai fait ça, hein, c'était vraiment par curiosité, pour voir. Hein. Et là, je vois donc ce restaurant qui est à 100 mètres, que je connais bien en plus, parce que je passe régulièrement devant quand je vais promener Olympe, donc je connais bien ce restaurant. Et je vous dis vraiment, il est je ferai l'essai de voir par curiosité à combien est-ce qu'il est, mais je pense même qu'il est à moins de 100 mètres de la maison, il doit être quelque chose comme à 70 mètres, un truc comme ça. Et donc je vois qu'il recherche donc quelqu'un pour un contrat partiel en plus. Et puis alors je regarde un petit peu les jours de fermeture et tout ça, enfin tout ce qu'il recherche, et ça colle mais alors à la perfection avec ce que je souhaiterais, c'est-à-dire que j'aimerais un petit quelque chose qui viendrait compléter mes revenus avec YouTube, avec la boutique, avec tout. Puis j'ai plein d'autres annonces aussi à vous faire, mais je vais pas tout vous livrer d'un coup. Donc je postule, voilà, je réponds à l'annonce.
Mais vraiment sans aucune conviction, oui et non, j'espérais quand même un petit peu, un minimum, sinon ça sert à rien de le faire, très clairement. Mais voilà, donc je postule, et puis je me suis dit, bon, s'il répond, bah tant mieux, puis s'il répond pas, bah tant pis, j'aurais essayé. Et là, eh bien, très surpris et très satisfait de voir donc qu'on me répond, et que mon profil est très intéressant, et qu'ils sont très intéressés, à tel point qu'ils veulent me rencontrer, du coup, pour un entretien physique, entretien que je passe à la date de demain, en date du 4 mai 2021. Donc vous croiserez les doigts bien fort pour moi, j'ai rendez-vous à 9h30 et bien sûr je vous ferai un retour pour vous dire eh bien comment que ça s'est passé et puis s'il y a une suite, hein, bien évidemment, parce que s'il y a une suite, ça vous concerne directement puisque bah, forcément la chaîne elle va être modulée après par rapport à mon travail. Mais vous ne devriez pas trop en souffrir parce que c'est un contrat à temps partiel et moi c'est ce que je ne voulais plus de temps plein, surtout en restauration, je ne voulais plus de temps plein et puis aujourd'hui j'ai quand même mon travail, donc je ne peux plus consacrer du temps, non. Et puis c'est bon, la dernière expérience que j'ai eue là, j'ai laissé quasiment ma vie, hein, je pense qu'on peut le dire même hein, avec ce qui m'est arrivé. Donc voilà, donc vous penserez à moi très fort demain à 9h30. Maintenant, pour les autres annonces. Bon, il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais j'attends un petit peu en fait. J'attends des feux verts, enfin j'attends je voudrais que ça soit, enfin que ce soit de leur part qu'ils l'annoncent, je voudrais pas spoiler le truc. Mais voilà, bon, je vous ai quand même donné 2-3 indices, puisque que je vous ai fait pas mal de petites choses qui tournaient autour de certaines choses. Donc c'est chiant en fait d'essayer de dire quelque chose mais sans le dire. Mais en même temps j'ai tellement envie de vous le dire. Non, parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle, et je rends vraiment grâce à l'univers, à la vie, parce que je m'y attendais absolument pas, et ça me fait extrêmement plaisir, j'ai été extrêmement touché, je le suis encore, et je réalise toujours pas d'ailleurs, et vraiment, c'est juste fantabuleux, pour le coup, c'est vraiment fantabuleux, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. Bon, pour ceux qui sont un petit peu finaux, pour ceux qui ont un petit peu compris le truc, ça fait quelques jours que je vous donne quand même des gros indices. Et encore aujourd'hui là pour les énergies de la semaine, je vous donne encore des indices, donc à vous de rassembler les pièces du puzzle pour essayer de comprendre ce que je voudrais vous faire comprendre. Oui, parce que vous comprenez bien que si c'est vous qui comprenez tout seul de votre côté, bah moi du coup j'y suis pour rien parce que j'ai rien dit, j'ai rien spoilé, c'est pas de ma faute si vous êtes intelligent et vous avez trouvé tout seul. Ah, on est d'accord. Alors bon, donc maintenant, pour ce qui en est au niveau de tout ce qui va se passer là à venir, comme vous le savez, Abby ne peut pas encore réouvrir, elle va pouvoir réouvrir à partir du 20 mai, donc ce qui fait qu'on va poursuivre les lives. Après, bon, les lives vont aussi venir s'adapter en fonction de la réponse que j'aurai demain, hein, voilà, donc toute la chaîne, tout va s'adapter, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant et je vous donnerai au fur et à mesure les infos, etc., etc. Maintenant, sur la chaîne, alors peut-être pas au moment où vous regarderez la vidéo, mais là, dans la semaine en tout cas qui arrive, vous allez pouvoir rejoindre de façon active la chaîne de l'œil dans le noir. Je m'explique. Je vous ai créé un abonnement spécial, donc vous avez le bouton abonner ou s'abonner. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche de notification, vous mettez toutes les notifications pour ne rien louper de tout le contenu que je vous poste. Et à côté, vous devriez avoir un bouton écrit en bleu, il me semble, qui s'appelle rejoindre. Et si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous proposer un abonnement payant mensuellement. Alors c'est un petit prix, c'est un petit tarif puisque j'ai mis seulement 4,99€. Et cet abonnement va en fait vous ouvrir des exclusivités sur la chaîne qui seront vraiment propres eh bien à cet abonnement là. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est pas normal de payer pour avoir exactement la même chose que ceux qui ne seraient pas abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi une façon de remercier eh bien ceux qui me suivent depuis des années maintenant, hein, parce que ça fait 3 ans. Donc pour vous remercier. Et puis j'ai envie aussi de faire des vidéos, mais que j'ai pas forcément envie de diffuser à tout le monde, que j'ai pas envie que ce soit public. Comme par exemple les rituels magiques. J'ai envie de vous filmer des vrais rituels, comment pratiquer la magie. Mais c'est quand même un cercle qui est assez intime, c'est un cercle qui doit rester fermé. Et ça, c'est quelque chose, j'y tiens. Alors je suis le premier à vous démystifier les choses, mais il y a quand même des limites. Et la pratique magique, ce sont des pratiques qui peuvent
rapidement dévier et faire place à autre chose. Donc je veux que ce soit que certaines personnes qui puissent avoir accès à ce type de contenu-là. Ensuite, alors là, attention, je vais lâcher une bombe qui va absolument pas plaire à tout le monde et j'en suis désolé, mais c'est aussi ma chaîne, donc c'est à moi que revient cette décision-là. Pour tout ce qui est live, désormais, ils seront dans les abonnements. Attention, tout ce qui est live boutique, comme par exemple les live voyance. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que les live voyants, s'il y a quelque chose qui me dérange, et Abby a parfaitement raison quand elle m'en a parlé, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont voir live voyance, ils sont même pas abonnés à la chaîne, ils ne me suivent absolument pas, ils vont arriver, ils vont poser leurs questions, nous, eh ben, comme on sait pas qui est abonné, qui ne l'est pas, eh ben, du coup, on répond à la question, sauf que, eh ben, on a peut-être zappé la question d'un abonné qui me suit depuis des mois, voire des années, vous voyez? Ben, c'est pas très juste, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'on vous donne finalement des services alors que bah, vous les méritez pas, quelque part, enfin c'est pas que vous les méritez pas, mais je veux dire un abonné qui me suit depuis 3 ans, qui a été là, qui a toujours commenté, qui a toujours été présent pour moi, bah, je trouve pas ça normal que cet abonné ne passe pas, qu'il n'ait pas une petite priorité par rapport à quelqu'un qui tomberait sur ma chaîne par hasard en voyant live voyance, qui pose sa question, il bénéficie de services gratos et puis la personne, pouf, elle s'en va et elle s'abonne pas non plus à ma chaîne. Vous voyez, c'est pas, je trouve en fait, il y a certains trucs qui sont pas normales. Et puis voilà. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me justifier. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà. Donc ceux à qui ça plaît pas, ce sera exactement pareil. Non, blague à part. Et puis aussi, pourquoi je vous propose cet abonnement-là ? Tout simplement parce que vous le savez, j'ai toujours joué la transparence avec vous. Mais concrètement, ma chaîne YouTube, je n'en vis absolument pas. Et ça me coûte un paquet de pognon pour entretenir cette chaîne. C'est juste épouvantable. Donc je tiens pas forcément à générer un maximum de chiffres. C'est pas non plus l'objectif. Enfin, quoique, si vous voulez tous vous abonner, contracter l'abonnement, bah du coup, me permettre de me faire un salaire de 10 000 euros net par mois. Surtout ne vous gênez pas. Non, c'est pas l'objectif. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que ça puisse au moins me rembourser mes frais, que ce soit tous les achats de jeux, de matériel, de déco, de machin, tout ce que je mets en place, tout ça, ça me coûte des sous. Et honnêtement, ma chaîne, ça devient compliqué, j'arrive plus à en vivre, donc c'est aussi pour ça que je prends cette décision. Et puis, j'ai aussi envie d'offrir du contenu exclusif, des choses qui sont exclusives et qui seront propres à cet abonnement-là. Alors, ne commencez pas à rouspéter en me pourrissant de commentaires, puisque je tiens quand même à vous rassurer que ceux qui ne seront pas abonnés à la chaîne, vous continuerez à avoir du contenu comme les énergies de la semaine, comme les reviews, comme plein de choses, hein. La plupart des vidéos que je posterai resteront gratuites comme je l'ai fait depuis 3 ans. Par contre, dans l'abonnement, donc ceux qui auront pris l'abonnement, vous aurez les mêmes vidéos que tout le monde, mais en plus vous aurez des avantages supplémentaires comme du contenu exclusif, comme le fait de voir les vidéos en avant-première, comme bref, je vous dis pas tout, je vous ai réservé des surprises puisque dans l'abonnement il y a aussi des emojis qui seront spéciaux que vous pourrez utiliser, il y aura des badges aussi pour vous récompenser, c'est-à-dire un mois d'abonnement, 6 mois, etc. bien vous montrer en grade et voilà, je vous ai préparé plein de petites surprises, mais je vous réaliserai une vidéo pour vous présenter ça en détail et vous expliquer exactement à quoi qu'est-ce que vous aurez en fait dans cet abonnement là et vous verrez que en plus j'ai envie de dire 5€ par mois, c'est une coquille. C'est vraiment pas grand chose, ça aide en plus un créateur. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais 5€, Jojo, si on est abonné à 15 chaînes et qu'on s'abonne aux 15, oui, je comprends bien que 5€ multiplié par 15 chaînes que vous suivez, ça fait à la fin du mois une petite somme d'argent, ça j'en conviens. Mais libre à vous, je vous mets pas un couteau sous la gorge en me disant vous avez intérêt à vous abonner, sinon je vous bloque. Non, pas du tout. Vous êtes libre de vous abonner ou pas, de rejoindre la chaîne ou pas. Mais sachez que pour ceux qui rejoindront la chaîne, ils bénéficieront d'un contenu exclusif et de certaines priorités par rapport à d'autres qui ne s'abonnent pas à la chaîne. Donc tout simplement, déjà, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, ce sera déjà un grand pas. Et puis après, vous verrez si vous avez envie de rejoindre l'aventure L'œil dans le noir. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va peut-être pouvoir commencer maintenant le tirage. Non, hein, vous en dites quoi ? Alors, je vous avertis que pour les énergies de la semaine, ça va être une espèce de micmac de tout. Je savais pas quoi prendre, donc je me suis dit qu'on allait rester dans les énergies de l'Arcana Sacra, puisqu'après tout, je vous ai fait le Tall Challenge. D'ailleurs, pour ceux qui veulent participer, il n'est toujours pas trop tard, vous pouvez encore le réaliser, hein. Pour cela, je vous rappelle, Tall pour Tarot,
O pour oracle et L pour livre. Donc il vous faut un tarot, un oracle et un livre que vous sélectionnez de Arcana Sacra, tout simplement. Vous me taguez avec le hashtag œil dans le noir, le hashtag tall challenge et le hashtag Arcana Sacra. Et puis voilà, vous faites une petite vidéo sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Et puis voilà. Bon, donc du coup, on va rester dans les énergies d'Arcana Sacra. Et j'avais envie d'utiliser, alors pour peut-être nos énergies, j'ai envie de dire à la fois principales, mais on viendra quand même développer, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, comme en plus le nouvel oracle de la magie forestière que vous pouvez voir là en déco est sorti, eh bien autant rester avec les énergies d'Antoinette. Donc on utilisera celui-ci pour les énergies un petit peu à la fois principales et venir quand même détailler. Pour l'aspect de divination, on utilisera les runes sorcières. J'avais envie aussi, je sais pas, j'avais envie de faire une guidance, de voir ce qui pourrait sortir et voir ce que ça m'évoque avec le Inner Star de Jo-Isabelle Klima, qui est un très bel oracle aussi. Je vous en avais fait la review, il est super coloré, regardez, je vous montre un petit peu, les cartes sont sublimes, il est très très coloré, il est dans un univers qui est très astral, très stellaire, des couleurs qui sont très douces, et en plus je le trouve vraiment très intéressant pour travailler tout ce qui est guidance. Donc on verra pour faire ça avec guidance, amour, etc. J'avais envie aussi de se faire un petit cocooning, une petite tendresse avec le petit oracle de Steph, hein, que vous connaissez, Stéphanie Gras, qui est une fille absolument adorable, vraiment. D'ailleurs, elle a réalisé le Tall Challenge et Stéphanie, je t'en remercie énormément. Ça m'a beaucoup touché de ta part. Et donc, allez-y, allez voir hein, la chaîne de Stéphanie. Vous allez voir, c'est une fille qui est vraiment adorable. C'est l'autrice du petit oracle de Steph et de l'oracle âme à âme qui est juste sublissime, là encore, vous ne pouvez que craquer. D'ailleurs, on l'a à la boutique, hein. Si vous êtes intéressé, on a un exemplaire. Je fais la petite promo, pas ça, je fais le petit placement de produit. Et puis, je sais pas aussi, j'avais envie de me faire un petit haïku. Donc, on se fera un petit haïku, histoire d'avoir une petite philosophie, quelque chose sur quoi méditer cette semaine. On se fera aussi les baguettes chinoises, je sais qu'elles vous avaient manqué, donc on va utiliser les baguettes chinoises. On se fera aussi une réponse avec le pendule, j'avais envie d'utiliser le pendule. En plus, vous l'avez vu sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, j'ai reçu mon présentoir à pendule dont je suis tellement fier que du coup j'ai envie d'utiliser mes pendules. Ils sont super bien mis en valeur. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien de la boutique Etsy, hein, si vous voulez le trouver. Le présentoir est vraiment fabuleux, pas cher en plus. Bref, arrête Jo, arrête de faire ton vendeur. Là, on reprend les vidéos classiques, on n'est pas dans la boutique d'habits, on n'est pas là pour faire du chiffre. Et puis, allez, c'est parti tout de suite, on y va avec l'oracle du petit enchanteur. C'est parti tout de suite. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, les amis, je ressens des énergies qui sont plus douces. On sent déjà que la super lune est passée, qu'elle perd en pouvoir, hein, puisqu'elle va perdre tous ses pouvoirs dès la prochaine nouvelle lune. Et ça se ressent, on est dans des énergies plus douces. En plus, le beau temps et le soleil sont de retour. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement, on retrouve ces énergies de lumière. Et c'est quand même assez drôle parce que le 1er mai, donc, on a fêté Beltane. Beltane qui était donc le dernier sabbat associé au cycle noir, au cycle des ténèbres, au cycle sombre. Hein. Et c'est drôle parce qu'à partir du 2, eh ben, faites exprès, le premier, il faisait super moche, il faisait sombre, il pleuvait, il faisait froid, enfin je sais pas chez vous, mais ici il faisait vraiment très très moche. Et là, à partir du 2, ben, on a eu cette renaissance du soleil, la lumière qui est revenue dans nos vies, et ça sent qu'il y a une énergie plus douce, qu'il y a quelque chose, il y a du changement dans l'air aussi, il y a des choses, en plus cette super lune nous a bouleversés, elle a vraiment exacerber tous les sentiments qu'on avait déjà en nous, hein. Elle nous a poussé à sortir des choses qu'on avait déjà accumulées depuis quelques temps. Et là, je sais pas, est-ce que c'est le fait justement d'avoir percé cet abcès et comme maintenant, eh ben, il n'y a plus rien, c'est en train de cicatriser et ça peut cicatriser correctement. Mais c'est vraiment ce que je ressens, qu'on est dans ces énergies de cicatrisation, hein, de quelque chose, voilà, qui se remet en route tout en douceur et ça se sent, c'est dans l'air, c'est vraiment dans l'air. Donc on va voir si, eh bien, si les énergies vont me faire mentir ou si elles sont d'accord avec moi. Hein. Allez, nous avons l'inspiration avec ce magnifique signe. Regardez un petit peu. Nous avons l'inspiration, on a l'amour. Alors tout de suite derrière, on a l'amour. Et devant, on a
on a la naissance. Alors, en plus, cette carte, j'ai quelque chose à vous raconter sur cette carte. Aujourd'hui, on est parti se balader en forêt avec Abby. Elle m'a fait découvrir un endroit qui est juste à côté de la maison, qui est superbe, qui est magique, qui est mystique, qui dégage une énergie incroyable. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette forêt. Je vous ai fait la review d'ailleurs au passage, mais vous découvrirez la vidéo demain. Je vous laisse la surprise. Et Abby, elle m'appelle un moment pour me montrer quelque chose justement qui était magique, puisque dans une souche d'arbre, il y avait un trou dans l'arbre, dans le tronc, et elle me dit « regarde à l'intérieur ». Donc je regarde à l'intérieur, et là je vois rien, mais genre rien du tout. Et je lui dis « bah je suis désolé Abby, le seul truc que je vois au fond, c'est une espèce de tache blanche ». Elle me dit « oui, bah c'est ça que tu dois voir ». D'accord, ok, bah je suis ravi d'avoir vu une tache blanche au fond d'un tronc. Et en fait, elle me montre, elle avait pris une photo et au fond de ce tronc, de cette souche d'arbre, il y avait un nid avec des petits œufs. Sauf que quand Abby a pris la photo, il y avait que les œufs. Et en fait, donc j'allume, je prends mon flash et j'allume l'intérieur de la souche et là, je vois quoi ? Eh ben la maman qui était tout simplement en train de couver ses œufs. Et la petite tache blanche que je voyais, c'était son petit cou. Elle avait une espèce de petit triangle blanc. Donc c'est pour ça que je pouvais pas voir les œufs puisque ben, elle était dessus. Et c'est drôle que ce soit cette carte qui soit sorti parce que pour le coup bah, ça me rappelle ce souvenir là. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on était sur des énergies de renaissance, de choses qui vont reprendre, et eh bien je crois et j'en suis même convaincu qu'effectivement cette semaine on va être sur ces énergies là de naissance et de renaissance. Donc préparez-vous, en plus comme on a l'inspiration derrière, enfin qu'on a eu la première carte, c'était l'inspiration, pour moi ça me fait vraiment penser soit à des idées qui vont enfin voir le jour, soit à des résultats qui vont enfin aboutir, à des recherches qui vont enfin se conclure par quelque chose de concret. Et là vous sentez à quel point ça me parle pour moi, mais je ressens vraiment pour cette semaine des idées qui vont germer, des projets qui vont peut-être voir le jour, qui vont enfin pouvoir être mis en place, ou alors une renaissance aussi, quelque chose comme ça qui va prendre de l'envergure comme un signe, hein. Un signe c'est élégant, c'est discret, mais comme ça quand il ouvre ses ailes, il prend une envergure incroyable. Et je pense que effectivement on est dans cette dynamique là de quelque chose, voilà, qui est en train de faire son bonhomme de chemin, qui va grandir et puis qui va prendre une envergure et puis qui va devenir majestueux, quelque chose de comme ça d'élégant. Et donc profitez de cette énergie là si vous avez des envies, si vous avez des projets, je pense que c'est le bon moment pour les mettre en place. Profitez des énergies de Beltane, en plus vous avez jusqu'au 21 juin, jusqu'à Lita, pour mettre en place ces énergies de naissance, de renouveau. En plus, je vous l'ai expliqué, Beltane marque la fin donc du cycle sombre, hein, du cycle des ténèbres, ce qui fait que la prochaine fête, le prochain sabbat, c'est Lita qui est vraiment la fête de la lumière. Donc profitez de cette lumière comme ça qui remonte crescendo, qui revient, et du coup avec laquelle on va pouvoir s'inspirer et puiser nos forces pour planter nos graines, puisqu'on va avoir ce soleil qui va venir baigner ces graines de cette lumière pour permettre aux plantes de pouvoir germer, grandir, etc. et donner des fruits dont on pourra se délecter après. La naissance pourrait aussi nous parler, pourquoi pas, de grossesse. Ça pourrait, c'est vrai que ça pourrait aussi. La naissance pourrait nous parler aussi, pourquoi pas, de projets de déménagement ou d'emménagement, de nouvelles choses. Ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau poste professionnel. Donc là, oui, je sais, vous êtes tous en train de me regarder, de me dire « Ah, t'entends, Jo ?» Oui, je sais, ça résonne dans mon cœur. Mais ça pourrait nous parler donc de nouveaux projets professionnels, ça pourrait nous parler de nouveaux projets tout court, en règle générale. Ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau départ. Et en plus de ça, l'amour, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que j'ai l'impression que tout ce qui sera fait là, sur cette semaine, c'est vraiment des projets qui seront portés par l'amour, qui seront portés par une certaine ambition. Et par conséquent, vous allez vraiment vous investir, vous allez consacrer de l'énergie dans ces projets-là, et les choses pourront se faire parce que vous serez investi. C'est pas juste de se dire il faut que je le fasse. Non, là on est plutôt dans l'envie. J'ai envie de le faire. J'ai envie que ça grandisse. J'ai envie que ça mûrisse. J'ai envie de donner de l'énergie, de me vouer dans cette cause, etc. Donc ça pourrait nous parler aussi d'un regain de motivation, un élan, hein, de motivation. Si vous l'avez un petit peu perdu. En plus, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces énergies-là, parce que depuis lundi, alors en France, hein, je sais pas pour nos amis étrangers, mais en France, on vient enfin de sortir du déconfinement, enfin,
Le enfin est peut-être un très grand mot, hein. C'est que surtout on peut de nouveau se déplacer sur de longues distances. On n'est plus limité à 10 km, mais pour autant on a toujours le couvre-feu, on a toujours les interdictions, etc., etc. Mais on va dire qu'il y a un premier pas qui a été fait, hein. On va dire que voilà, on va dire que l'œuf a éclos. Il y a encore du travail à faire, mais l'œuf a éclos. Et je recommence. Forcément, on a ces énergies qui se calquent aussi sur nous. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait des mois que je vous le dis, les énergies, elles se calquent sur nous. Donc, si les énergies sont bloquées, tout ce qui est voué à tout ce qui nous est destiné ne peut pas se réaliser, forcément. Et là, le fait d'être débloqué, eh bien, ça débloque aussi les énergies, hein. C'est comme si on levait un barrage, eh bien, à nouveau, la rivière peut couler et on va pouvoir bénéficier de ce qui était prévu initialement pour nous. Et cette semaine, on est dans cet élan. Justement, de quelque chose qui se remet en place, quelque chose qui se débloque. Donc, ça pourrait aussi nous parler de blocages qui vont se lever, de barrières qui vont se lever. Donc, vraiment, profitez de ces belles énergies pour vous lancer dans tout ce qui est nouveau. Pour le coup, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour cette semaine. On est dans des choses, dans un cycle nouveau, dans des énergies nouvelles. Donc, tout simplement, profitez-en et laissez-vous porter par ce flot, puisque pour le coup, vous pourriez avoir de jolies surprises et mettre en place de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que, à titre divinatoire, il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent ressortir. On a quand même regardé avec les runes sorcières, mais il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent ressortir, puisque j'ai envie de vous dire que l'avenir vous appartient. À partir de cette semaine, faites ce que vous avez envie, vivez ce que vous avez envie de vivre, mettez en place ce que vous voulez mettre en place, et vous vivrez ce que vous aurez mis en place. Alors, on va quand même regarder avec nos runes sorcières. Alors, on a la présence d'une femme. Une femme... Ah, on a aussi la présence de l'homme. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a la présence de l'homme avec les moissons. Pour moi, ça me parlerait quelque chose en lien avec le professionnel. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir... soit vous allez créer un nouveau contact avec quelqu'un qui sera un homme pour le domaine professionnel. Soit vous allez vous allier avec un homme. Soit vous allez, je sais pas, réaliser un projet peut-être avec un homme. Vous mettre en partenariat ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous allez passer un entretien d'embauche et ça sera un homme. Hashtag je vous dirai si ça a été un homme pour mon entretien d'embauche. Mais ça pourrait être un homme avec lequel vous allez travailler et qui va vous apporter... Il y a ce côté abondance. Cet homme pourrait être responsable même d'une abondance future. Alors responsable, c'est un terme un petit peu péjoratif pour le coup. Mais non, c'est plutôt en bien, en positif. C'est-à-dire un homme qui va vous apporter une forme d'abondance, qui va vous offrir quelque chose, qui va vous permettre, soit il va vous donner les outils pour travailler, soit il va vous fournir le champ dans lequel vous allez pouvoir cultiver et faire vos semailles, etc. Vous voyez, mais j'ai vraiment la sensation ici d'un homme qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous offrir peut-être une opportunité ou quelque chose qui va vous permettre eh bien, de pouvoir cultiver et récolter l'abondance plus tard. En plus, comme on a la serpe avec l'abondance, ça me fait vraiment penser ici à ce cycle qui se termine, peut-être la fin de quelque chose. Pour cette semaine, préparez-vous soit à recevoir une nouvelle que vous attendiez, soit ça va être quelque chose qui va se mettre en place, ou je vous le disais, en plus, comme on a eu les œufs, je vous parlais d'un nouveau projet professionnel, c'est peut-être possible, hein, du coup, parce que un nouveau projet professionnel, ça permet de mettre fin, de mettre un terme à ce qu'on vit actuellement. Si par exemple, vous êtes au RSA, bah, concrètement, l'arrivée d'un contrat, même si c'est un petit CDI ou comme moi un temps partiel ou quelque chose comme ça, et ben c'est un nouveau départ et ça met un terme à un cycle. Vous ne serez plus au RSA, vous aurez un petit quelque chose, vous aurez un travail qui peut aboutir sur d'autres choses. Vous voyez, il y a vraiment ici cette idée d'étape, de démarrer quelque chose de nouveau, hein. Ensuite, on a l'intervention d'une femme. Alors, Il y a quelque chose qui est un petit peu houleux avec cette femme, mais c'est quand même très positif parce que on a la triquetra qui nous parle d'amour. Donc ici, cette semaine, vous aurez un lien avec une femme d'amour. Donc soit famille, amie, une femme que vous aimez beaucoup. Ça peut être une maman, une sœur, une cousine, n'importe quoi. Ça peut être une amie très proche. Ça peut être votre voisine avec qui vous entendez super bien. Voilà, mais ici, c'est la présence d'une femme. Une femme, je vous disais, c'est houleux. Il y a quelque chose qui est houleux. Je pense que préparez-vous peut-être à échanger des choses parce qu'on a la rune de l'air et pour moi l'air, ça me fait vraiment penser ici aux paroles, aux choses que on pourrait dire, aux choses qu'on pourrait s'échanger peut-être. Alors soit des échanges. Attention, c'est pas forcément négatif ou positif. Hein. Enfin, pour moi, du coup, je le verrais plus comme positif. Mais ici, ça pourrait nous parler d'échanges. Alors soit du coup.
d'entretien, ça pourrait. Pour moi, l'entretien, c'était quand même plus l'homme. Hein. Pour le coup, en plus, la rune de la femme, elle est plus loin par rapport à la moisson. Donc, pour moi, j'ai pas le sentiment que cette femme, elle est en lien avec la moisson. Je vois plutôt quelque chose qui serait plus à titre personnel. Donc, soit il y aura des échanges, soit on va discuter, soit on va des discussions. Voilà, des discussions, beaucoup de discussions, mais des discussions qui auront une résolution positive, parce qu'il y a l'amour, il y a la protection. Hein, la triquetra, c'est le symbole de la protection, c'est le symbole de l'amour. Donc il y a vraiment cet aspect ici de soit renouer, soit rétablir des liens, soit de se reconnecter, soit de reformer quelque chose, un noyau, une unité, des réconciliations aussi, ça pourrait nous évoquer ça. Voilà donc pour les runes sorcières. Je vous en dis pas mieux parce que j'en ai que trois. Hein. J'ai l'homme avec la moisson et la serpe, et la femme avec l'air et la triquetra. Les autres, elles sont retournées, donc du coup je vous en dis pas plus. Mais voyez, c'est quand même assez drôle de voir que les runes sont elles aussi calées sur cette dynamique de renouveau, sur des choses positives. Hein. Allez, on va regarder, on va se faire la petite guidance avec le Inner Star. Donc du coup, la guidance, elle peut s'adapter pour des problématiques amoureuses, professionnelles. Vraiment, là, c'est vraiment l'aspect de guidance pour vous conseiller, pour vous fournir des réponses sur une situation, une problématique, quelque chose sur laquelle vous séchez un peu. Alors, on a la poussière d'étoiles. Et la poussière d'étoiles, excusez-moi, je suis obligé de vous le raconter parce que je peux pas m'empêcher de voir, pour ceux qui regardent Scène de ménage, mais ça date il y a quelques années, le couple Liliane et José. Et une fois, ils étaient en train de faire un jeu érotique et il y a Liliane qui balance une grosse poignée de sable dans le visage de José et qui lui dit poussière d'étoiles. Et à chaque fois que je vois poussière d'étoiles, ça me fait toujours penser à ça et ça me fait toujours rire. Donc pour moi la poussière d'étoiles ici, ça serait vraiment un coup de pouce, quelque chose qui vous est envoyé du ciel, hein, parce que la poussière d'étoiles, il y a cet aspect un peu magique, un peu de la chance qui vous a envoyé de la chance à l'état pur. Et il y a vraiment une aide pour moi qui va tomber du ciel. Alors soit ça nous parle ici d'une opportunité, soit une résolution qui va se faire. Regardez, c'est assez drôle parce que, regardez, je sais pas si vous allez voir la silhouette, le contour là, qu'il y a derrière la poussière d'étoiles, mais on peut deviner une femme. Alors moi qui vous parlais justement d'une femme, hein, c'est quand même curieux. Donc soit vous allez recevoir l'aide, si on l'interprète avec la femme, soit vous allez recevoir de l'aide de la part d'une femme, une aide inattendue, ou une chance, ou un coup de chance, ou une opportunité, ou une main qui va vous être tendue pour vous aider dans une problématique ou autre. Mais sinon, de manière plus générale, si on occulte la femme derrière, qu'on prend juste la poussière d'étoiles, pour moi, ça m'évoque vraiment cet aspect de chance de recevoir quelque chose, voilà, qui tombe du ciel, qui n'était vraiment pas prévu, et qui va être favorable à résoudre une problématique, soit une problématique amoureuse, soit une problématique professionnelle. Ah bah tiens, je viens d'en tirer deux. J'en ai tiré deux. Élévation spirituelle et cultiver la compassion. Alors l'élévation spirituelle, pour le coup, je pense que c'est assez clair. Je pense que cette semaine, vous allez vraiment, et je vais reprendre cette dynamique d'échange, de communication, et ça va vous permettre soit d'apaiser votre âme, soit de pouvoir vous tranquilliser, soit vous allez avoir le déclic de quelque chose, mais il y a pour moi un sentiment, voyez là, ce que je ressens, j'ai l'impression en fait de voir des pourparlers, des discussions, des échanges, on parle beaucoup et ça permet, eh bien, de comme ça de pouvoir s'élever, de pouvoir à nouveau ne plus être touché par tout ce qui est bas, par les énergies basses, etc. Mais vraiment cet aspect de se tirer vers le haut pour, eh bien, obtenir le meilleur, pour aussi se défaire, hein, de tous ces poids, de tout ce qui est. Mais là, préparez-vous cette semaine à avoir, à ressentir cette élévation spirituelle. Alors l'élévation spirituelle, ça peut aussi nous parler, et je vous l'ai dit en début de vidéo, d'une motivation, d'un regain, pardon, de motivation. Ça pourrait nous parler aussi d'être comme ça dans une espèce d'euphorie énergétique qui vous donnera, eh bien, des ailes, hein, pour le coup c'est pas Red Bull, mais qui pourrait vous donner des ailes et vous donner envie, eh bien, d'avancer ou de vous lancer dans quelque chose, d'oser, de franchir le pas, de, hein, voyez, il y a vraiment tout cet aspect ici de, ben,
En fait, on pourrait tout résumer, j'ai en tête level up. Vous savez, le fait de gagner un niveau, de gagner de l'expérience, par exemple dans les jeux vidéo, quand vous gagnez un niveau, hein, quand vous passez à l'étape supérieure. Bah, c'est le même principe, j'ai cette sensation-là de là, vous êtes, on est à la fin. On est à la fin du niveau, il manque un petit peu d'expérience pour passer au suivant. Eh bien, vous allez obtenir cette expérience, vous allez obtenir le truc qui va vous permettre de pouf, de passer au niveau supérieur. Et cultiver la compassion, pour moi, très clairement, ici, bah, je vous parlais de pourparler, en plus, ça me parle d'altruisme, ça me parle de compréhension. Ne soyez peut-être pas dans le jugement ou dans la condamnation, soyez plutôt plus dans la compassion et dans la compréhension. Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Pourquoi est-ce que... Alors, je sais qu'il y a des fois, on n'a pas toujours envie de se poser la question du pourquoi. Et puis, on se dit, mince, j'ai rien fait, j'ai rien à voir dans la situation, pourquoi, pourquoi? Non, 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 posez-vous pas ces questions-là. Là, posez-vous des questions pertinentes et objectives en vous disant pourquoi cette personne a réagi comme ça, pourquoi est-ce qu'elle s'en est prise à moi, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce que si, voilà. Tout simplement, pour résumer, soyez dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, ne soyez pas dans le jugement. Et quand je vous parlais tout à l'heure du coup d'excuses et de renouement, eh bien, ça pourrait se passer ainsi, puisque si vous faites preuve de compassion et de compréhension, c'est comme ça que les difficultés pourront être apaisées, les conflits pourront trouver une solution, et puis voilà. Allez, maintenant on va passer, eh bien, on va faire cette transition de la compassion avec le petit oracle de Steph, avec un petit conseil justement, histoire de redémarrer ce déconfinement, cette nouvelle vie, voilà, d'être un petit peu pris par la main et accompagné pour que les choses puissent se passer bien, puissent bien passer, puissent. J'arriverai pas à la sortir celle-là, donc voilà, on va abandonner. Allez, nous avons apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Et là, on nous demande de nous ressourcer auprès, eh bien, soit de nos compagnons à quatre pattes, à plumes ou à poils. Puisqu'effectivement, nos animaux peuvent être vecteurs de beaucoup de bonheur, de beaucoup d'amour. Quand on se sent délaissé par Pierre, par Paul, par Jacques, s'il y a bien des êtres qui, eux, nous resteront toujours fidèles, ce seront nos compagnons à quatre pattes, justement. Eux, ils ne nous déçoivent pas, ils nous donnent que de l'amour, ils sont pas dans le jugement, ils sont pas dans tout ça. Ils ne nous voient pas comme nous quand on se regarde dans le miroir. Regarde, regarde, regarde ce ventre, regarde, regarde ces rides là, regarde, non. Non, si on apprenait à regarder avec les yeux d'un animal, eh bien, on se verrait autrement. Et on pourrait aussi davantage peut-être profiter des choses, profiter de la vie en règle générale, si on arrêtait d'avoir toujours ce jugement et d'avoir cette vision qui est subjective, qui est condamnante, qui juge, qui est superficielle, et qu'on apprenait vraiment à voir les choses telles qu'elles sont, on pourrait davantage profiter. Et c'est ce que cette carte m'évoque tout simplement. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Là, on nous parle d'apprivoiser. On ne nous parle pas de dompter. Le bonheur, ça ne se dompte pas. Hein, on ne se lève pas un matin en disant « Ok, aujourd'hui, je veux être heureux, je ferai tout pour être heureux. » Non, parce qu'il y a de fortes chances pour que rien ne se passe comme vous le vouliez. Non, le bonheur, c'est plutôt une sorte d'animal sauvage qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre, voir comment ça fonctionne, voir qu'est-ce qu'il attend de nous, voir comment on peut l'apprivoiser et devenir son ami et obtenir après des choses mutuelles et réciproques, hein. Et le bonheur, pour moi, c'est voilà, c'est une sorte de c'est comme une panthère, voilà, c'est une panthère. Si vous jetez dessus sans précaution, il y a de fortes chances pour que vous fassiez griffer, voire pollus. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, si vous prenez le temps de voir cette panthère, de voir comment est-ce qu'elle évolue, comment elle se comporte, et puis commencer un petit peu à venir vers elle, prendre contact, etc., eh bien, il peut y avoir une relation qui peut s'établir. Et le bonheur, c'est le même principe. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, qui est livré par la poste, ou vous pouvez trouver sur Amazon. Non, le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien avec des petites choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être heureux toute votre vie. C'est pas possible. Par contre, si vous prenez chaque bout de bonheur que vous avez eu et que vous les collez, vous faites du montage. Voilà, vous faites du montage vidéo. Sur toute la vidéo de votre vie, vous supprimez toutes les séquences qui ne vous conviennent pas, hein, toutes les séquences où vous bafouillez, où vous pleurez, où vous n'êtes pas bien, vous coupez tout ça et vous gardez que les séquences où vous rigolez. Et vous collez toutes ces séquences et à la fin, eh bien, votre vidéo, c'est ça qui fera votre bonheur puisque vous ne vous souviendrez que des bonnes choses. C'est pour ça qu'il est important
d'en profiter au moment où, où elles sont présentes, tout simplement, sans se poser davantage de questions. Allez, maintenant, on va se garder la baguette chinoise peut-être à la fin, et j'ai envie de répondre à une question, donc une question par oui ou par non. Hein, je vous laisse réfléchir à une petite question. Donc soit professionnel, amour, tout ce que vous voulez, vous pensez à une question, vous pouvez la dire à haute voix, dans votre tête, c'est comme vous voulez. Attendez, je vais faire genre, j'ai choisi mon pendule. Lequel je vais prendre aujourd'hui? Choix difficile. non mais blague à part, en plus je prends lequel en fait. je fais l'idiot, mais je sais pas lequel je prends en plus. Allez, je vais prendre celui que j'utilise quand je fais les live voyances. Allez, est-ce que vous avez votre question en tête? Allez, c'est parti. Ah, on a une réponse favorable, les amis. Donc la réponse à votre question est favorable. Alors attention, favorable, ça ne veut pas dire que c'est couronné de succès, mais ça veut dire que c'est le moment, effectivement. Donc par rapport au sujet de votre question, si vous vous êtes dit est-ce que je dois faire ça cette semaine, eh bien oui, c'est favorable, vous devriez le faire, vous ne devriez pas attendre davantage. Est-ce que je devrais avoir une discussion avec machin? Oui, vous devriez, c'est favorable, c'est placé sous des bons augures. Est-ce que je dois me mettre avec Paul ou Jacqueline? Oui, du coup c'est favorable, cette relation est aussi placée sous de bons auspices. Vous voyez, on est dans cette dynamique d'une réponse favorable de quelque chose, voilà, c'est la bonne période pour le faire en tout cas. Allez, on va maintenant terminer avec notre, attendez, je remets mon pendule, avec notre baguette chinoise. Elle vous avait manqué, je sais, elle vous avait manqué. Alors, eh ben on n'a pas de chiffre aujourd'hui. Nous avons la numéro 39. Je sais pas pourquoi je vous la montre. Je suis sûr que vous voyez pas du tout le numéro. Ça continue. Moi, bientôt, je vais me retrouver avec des plots, carrément. Les baguettes. Allez, numéro 39. La 39. La 39, vous montrez imprudent en vous lançant dans des entreprises qui dépassent vos compétences. Vous avez beau envisager des milliers de projets, tous sont probablement voués à l'échec. Optez pour la patience plutôt que pour la précipitation et efforcez-vous de vous contenter de ce que vous avez. Veillez à votre propre sécurité car un accident sérieux pourrait survenir bientôt. Ce n'est pas une bonne période pour vous engager dans des relations. Laissez les choses se calmer pendant quelques temps et réfléchissez-y tranquillement. C'est assez drôle, pour une fois, j'ai une baguette qui me fait mentir. Alors, qui me fait mentir, oui et non quand même. Oui et non. Parce que rappelez-vous ce que je viens de vous dire avec l'exemple de la panthère. Que je vous parlais, si vous vous jetez à cœur perdu, la tête la première dedans, il y a de fortes chances pour que les choses ne se fassent pas. Soyez patient, prenez le temps de faire les choses. Je vais reprendre la carte de l'œuf. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. On n'est pas dans la précipitation, on est dans quelque chose qui est en train de germer et qui va faire son bonhomme de chemin. Donc si vous forcez le trait, si vous voulez amplifier les choses, si vous zappez des étapes importantes, si vous voulez aller plus vite que la musique, et eh ben il y a des chances que ça se passe pas aussi bien, voire pas du tout en fait. Donc vraiment prenez le temps de faire les choses correctement. Cette semaine, oui, bah c'est comme le confinement, hein. Là on vient d'être déconfiné, oui et non, en fait on peut juste se déplacer, mais encore on vit dans les mêmes restrictions. Et puis plus les semaines vont passer, plus les restrictions vont tomber, etc. etc. jusqu'au quatrième confinement qui arrivera cet été. Oui, je sais, je vous vois me détester là derrière votre écran. Non, blague à part. Blague à part, c'est le même principe, c'est-à-dire n'allez pas trop vite en besogne. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de les poser, d'évoluer tranquillement. Ne précipitez pas les choses, c'est ce qui ressort de cette baguette. Prenez le temps de faire les choses. Hein, là, on vous dit, c'est pas le bon moment pour vous engager dans des relations. Oui et non. Oui, dans le sens que si vous voulez rencontrer tout de suite quelqu'un et puis dès que vous l'avez rencontré, vous voulez vous marier avec, comment vous dire qu'il y a de fortes chances pour que la personne fuit, hein, et ça se passe pas comme ça dans la réalité. On prend le temps de faire les choses, donc prenez le temps cette semaine, plantez vos graines, arrosez, continuez à bien désherber, à garder la terre bien propre. La graine va germer mais vous ne le voyez pas.
Hein, très souvent, le changement, c'est comme ça qu'il opère d'ailleurs. C'est des petites choses qu'on ne remarque pas tout de suite, parce que c'est, il faut que ça se mette en place tout simplement. Et quand on voit enfin l'évolution, avant, il y a eu plein de choses qui ont été faites, il y a eu plein de choses qui se sont construites. Hein, comme dit le proverbe, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ben, c'est le même principe. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de cette semaine du 3. Vous avez vu en plus on a le numéro 39 et fait exprès c'est la semaine du 3 au 9. Hein, c'est quand même c'est assez marrant pour le coup je trouve. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve là dans la semaine. Hein, je vous donnerai des nouvelles, je vous expliquerai comment ça va se passer parce que tout le planning que j'avais mis en place, que je vous ai parlé là le week-end, faudra tout revoir, faudra tout refaire. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.